avant. J'avais beaucoup bu. Comme cette bouteille était à peu près vide. Et enfin, l'histoire est très étrange. L'histoire d'un film qui vous a confié est assez particulière. Tu veux bien la raconter? Elle est fort obscène. J'étais, mettons, en posture embarrassante avec un ami qui. J'ai allumé une cigarette et il m'a dit: tu allumes une cigarette en ce moment, dans ces circonstances, on n'est plus d'Amsterdam. Et j'ai dit oui, pourquoi pas. Et puis, et non seulement je peux allumer une cigarette, mais je veux prendre une photographie. Et alors j'ai pris cette photographie. Et il me faisait très chaud ce que j'ai essayé d'indiquer par le. Ce coloriage maladroit, à vrai dire. Maladroit. Mais comme quoi une photographie peut être personnellement pornographique tout en étant publiquement décente. N'est-ce pas? C'est mon père. Mon père. Et c'est où? C'est sur la route. C'est entre Washington et New York, sur la route. J'ai pris ça il y a peut-être un an et demi. Je l'ai prise parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était parti que j'avais vu mon père. Pourquoi c'est le moment pour le dégagement?